Je recommence. Aussi la preuve qu'il y a une magouille entre Gabriel Attal et le porte-parole des agriculteurs. On est une nation, on se tient tous ensemble. C'est qu'il y a des hommes, des femmes qui se lèvent tous les matins, qui comptent pas leurs heures et qui travaillent pour permettre à notre... Pourquoi lors du discours de Gabriel Attal, Jérôme Bell, l'homme qui porte la parole des agriculteurs, a donné quelque chose à l'homme à côté de lui? Vous ne trouvez pas ça bizarre que Jérôme Bell a arrêté le blocage sur l'autoroute après la venue de Gabriel Attal? Moi, à partir du moment où je vois ce genre de vidéo, il n'y a plus aucun doute. Je pense très fortement que cet homme-là a reçu un petit quelque chose en échange d'un arrêt total du mouvement des agriculteurs. Et beaucoup disent la même chose. Beaucoup prétendent qu'il aurait été payé en douce pour mettre un terme au mouvement des agriculteurs. Alors selon vous, Jérôme Bell a-t-il reçu des ordres de mettre fin au mouvement des agriculteurs en échange de quelque chose? C'est à vous de me le dire dans les commentaires. Ainsi, veuillez partager la vidéo s'il vous plaît, afin que les citoyens du monde libre soient au courant qu'il y a quelque chose d'extrêmement bizarre entre ce porte-parole et la venue de Gabriel Attal. Je vous remercie beaucoup.